Allez Ben, ça vaut pas le coup. Putain, je t'y vois déjà dans 70 ans. Tu viendras ici avec tes petits-enfants et tu leur diras quoi? Vous savez quoi, quand Pépé était gamin, il a presque fait descendre la pente au skate. Ça la fout mal, non? Mais Thomas, on voit même pas le stop en bas. Et s'il y a une voiture qui se pointe? Il y en aura pas. Et s'il y en a une quand même? Et qu'elle nous voit pas? T'imagines? Putain, on pourrait être décapité. Et t'en connais beaucoup des nanas qui kiffent les mecs sans tête, toi? Et les chances d'avoir des petits-enfants, zéro. Putain, alors là, c'est toi tout craché, ça. Quoi? Faut toujours que tu décortiques tout. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va dire? Tu te projettes tellement dans l'avenir que tu fais jamais rien dans le présent. C'est toi qui me parlais de mes petits-enfants? Non, nuance, je faisais appel à ton esprit d'analyse. Je peux pas faire ça tout seul. Allez. Bon, d'accord. Allez, c'est parti. Faudra tourner franchement à droite en bas au stop. Ok. Hé, tu sautes pas en route? Non, je te jure, je sauterai pas. Bon, c'est parti. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'entends une voiture. Putain, mais t'inventerais n'importe quoi pour pas y aller, hein. J'invente pas. Là, tu vois... J'avais raison. Et alors? Ben alors tu devrais peut-être me remercier. Tu vas pas avoir roulé ta tête dans les buissons. Te remercier? Si on s'était lancé avant, au lieu de discuter pendant 20 piges, on serait déjà en bas. C'est à cause de toi qu'on a failli mourir en vérité. Mais Thomas, si... Si on se posait pas la question de savoir si on va descendre... On se demanderait pas si on va mourir ou pas? Ah bah oui. D'accord. Monsieur, je sais tout. Quelles sont les probabilités qu'une voiture passe dans les 5 prochaines minutes? La probabilité? La probabilité, elle est faible. Allô? Je te jure, c'est pas ma faute. Je te promets que c'est pas ma faute. Ok, c'est un peu ma faute.
Il y a une fête chez Pelletier ce soir. C'est sûr qu'on va être accueillis à bras ouverts, là. Ouais, si t'es négatif. C'est dommage, je suis pas négatif, je suis réaliste. Mais des 10 secondes, je te rappelle. Et alors? Bah alors, on est au bout de la chaîne alimentaire, tu vois. Du plancton. En tant que plancton, notre fonction n'est pas de réussir, mais de servir de nourriture aux autres poissons. Bon, on fait quoi alors? On se tourne les pouces en attendant l'année prochaine, c'est ça? Bon. L'année prochaine, ce sera pas bien non plus. Ah ouais, comment tu sais ça, toi? Bah, si tu veux mon avis, les premières sont des sardines, en fait, guère plus. Putain, tu me fous les boules avec tes histoires de poissons, ça. Tu préfères quoi, que je te dise qu'on va tirer un coup ce soir? Non, à mon avis, on va juste réussir à se branler devant un bordel de mort. Et très honnêtement, partout à douce sa vie. En tout cas, Julie Pascal, elle lissera, elle. Et alors? Alors, elle est super bonne. Je sais qu'elle est super bonne. Elle est en cours de chimie avec nous. C'est rigolo que tu me dis ça parce qu'elle a dit à Yann Coquart qu'elle était en chimie avec toi. Elle a dit ça à Yann Coquart? Ouais. Et elle a dit qu'elle te trouvait drôle aussi. Et quand? Quand quoi? Et quand est-ce qu'elle a dit à Yann Coquart qu'elle me trouvait drôle? Quand est-ce que Yann te l'a dit? Je sais pas, moi. Elle lui a dit je sais pas quand et... C'est la semaine dernière, je crois. Je sais plus. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite, surtout? Je sais pas, je pensais que ça t'intéressait pas les trucs comme ça, moi. Attends. Si j'apprenais qu'une meuf super canon me trouvait drôle, je te le dirais tout de suite. C'est à ça que ça sert, les amis, non? Moi, ce que je crois, c'est que tu t'énerves parce qu'une super bonne meuf, elle t'a trouvé drôle. Mais c'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est que tu ne l'as pas dit tout de suite. L'information, c'est le nerf de la guerre des sexes, tu comprends ça? Je devrais tenter ma chance, qu'est-ce que t'en dis? Moi, je veux plus me prononcer. Toi, qui a failli tout faire tuer à skate pour un catamaran, tout ça pour que j'ai quelque chose à raconter à mes petits-enfants. Ça n'a rien à voir. Ça concernait nous deux, pas une fille. Si elle me trouve drôle, il y a des chances qu'elle veuille sortir avec moi. Ben ouais. Ça c'est cool comme histoire à raconter à ses petits-enfants. Dans le temps, papy, il s'est fait la plus belle meuf du bahut. Et devinez qui était la plus belle meuf du bahut? Mamie. Bon, les losers, qu'est-ce que vous voulez là? Mon frère est là? Pas moyen. Déconne pas, laisse-le rentrer. Non, tu bouges. Mais je vais être obligé de dire à papa quand tu lui as pris la voiture l'autre soir alors. Quoi qu'il arrive, on ne se connaît pas. Pardon, monsieur. Et Rosenberg. Tu t'es fait de la chatte ces temps-ci? Moi? Ouais. Hey. Regarde, là le gang de tête de nœud. J'aime bien la bière, ça rafraîchit, mais je préfère la Heineken. Ouais, mais moi je préfère les trucs plus hard, genre whisky coca, gin tonic. Et je crache pas sur une bonne bière bien fraîche, c'est vrai. Pas grand chose, attends, tu déconnes. T'as vu le cul qu'elle a? Cette fille, c'est le top du top. C'est bon, respire, je blaguais. Tu vas faire quoi? Je vais rester implanté ou tu vas y aller?
entendu quand elle m'a dit salut? J'étais là. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, j'en pense qu'elle t'a dit salut. Oui, mais c'était salut, genre machin, y'en a ciré ta gueule, ou c'était salut, comment tu vas, toi, tu m'intéresses? Qu'est-ce que ça peut dire? Ça change tout! Si je l'intéresse pas, la même tège. Si je l'intéresse, là, faut pas que je laisse passer le casse, tu comprends? On n'est plus des gamins. Les femmes, ce qu'elles attendent, c'est que les hommes y fassent le premier pas. Elles aiment les types qui ont des couilles. Crois-moi. Salut. Oui. Tu vois qui je suis? Ben Rosenberg. On est ensemble en cours de chimie. Je déteste ce cours, il est vraiment chiant. Entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je fais des trucs plutôt amusants, d'ailleurs, pour le rendre intéressant. Quoi, par exemple? Par exemple, tu te souviens quand Madame Letout nous a dit que l'acide chlorhydrique dont on se servait pour les expériences était super toxique? Vaguement. Eh bien, je suis allé voir Gilles, mon pote avec qui je travaille au labo, et je me suis enfilé une éprouvette sous son nez. Une éprouvette d'acide? C'est ce qu'il a cru. Mais j'y avais mis de l'eau, moi. Mais t'aurais vu sa tête. Très drôle. Pourquoi tu te maquilles ici? Salle de bain est toujours occupée. Sûrement quelqu'un en train de se faire une ligne ou de baiser, est-ce que je sais? Faire un très très gros caca. Bon, dis-moi, Ken. Ben. C'est Ben, mon nom. Ben, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, là? Est-ce que tu veux faire un truc, un de ces quatre? C'est une proposition? Non. Enfin, mais on peut faire ce que tu veux. Un resto, ou un cinoche, ou une teuf. Je sais pas trop. T'as parié, c'est ça? Qu'est-ce que tu entends par là? T'as parié avec ton copain le skateur que tu pouvais sortir avec moi comme ça. Oui! C'est un pari, en fait. Bah, pour déconner. Je suis un déconneur. Enfin, tu me connais. Bon. À plus. La semaine prochaine, vendredi soir. Putain, c'est trop cool ça! Ouais, mais on sait pas trop quoi encore. Un resto, un cinoche. Je sais pas. Un hôtel. Père Rosenberg, allez, ramène ta pomme. Bah, allez, viens! Allez, viens! Père Rosenberg, Père Rosenberg. Rosenberg. Va la chercher. Alors moi, j'aimerais bien être une rockstar. On se fait plein de nanas.
Tu fais des concerts tous les soirs, ce qui est une occasion de se faire encore plus de nanas. Pas mal comme cercle vicieux. Non, non, moi je me verrais footballeur professionnel. Allez. Tu te fais plein de nanas, tu joues pour gagner ta vie, on fait pas mieux les gars. T'as pensé au contrôle antidopage? Attends, parce que peut-être que tu peux te taper toutes les meufs que tu veux dans ta baignoire, mais tu peux même pas tirer une taf sur un spliff. Moi je préfère avoir un boulot merdique, mais pas faire l'impasse sur l'herbe. Ouais, pour serrer des meufs, machin, on lui ça me plaît quoi. Bah ça tombe bien, Philou, parce que c'est ça qui va t'arriver. Rosenberg, bois. Mais attends Vincent, explique-lui les règles. Bon, si la pièce atterrit dans le verre, celui qui a lancé la pièce choisit celui qui doit descendre la bière. Bon, il a le droit de recommencer. Hein. S'il rate, c'est au tour du voisin de lancer. Ah oui aussi. Et pour prouver que t'as tout bu, tu dois prendre la pièce dans ta bouche. Voilà, c'est... Pigé, c'est bon. Bon bah ta santé alors, c'est bon. Crache sur la serviette. Hein. Crache sur la serviette. Désolé. C'était bon, hein? J'aime bien le goût de la mienne. Eh ben, t'as bien fait de venir. Vincent. Ah, bébé. À trop bière, monsieur. Merci, Vincent. Je vous en prie, c'est à ça que ça sert, les amis, hein? Bon, allez, Vincent. Ok. Rosenberg, à toi. Allez, c'est bien. Vas-y, Rosenberg. Bien. Allez, Rosenberg, on y va. Oh, on a bien joué, ah, Rosenberg. Bah, ouais, je veux dire. Flûte. Ah, attends, la pièce elle est tombée par terre. Attends. Nice shot. Regarde. Rosenberg. 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 Vas-y. Allez. Et tu bois tout, mec. Allez, allez, allez. Ah. C'est qu'il aime teaser le petit, hein. D'accord. Mais vas-y, lance. Vas-y, relance. Rosenberg. C'est pas fini. Un petit peu plus vite, s'il te plaît. Allez, putain. Allez, merde. Allez, bois. Rosenberg. Son kiff, c'est son délire. Rosenberg. Ça va? Je crache mes tripes, qu'est-ce que tu crois? C'est la cata. Qu'est-ce qu'est la cata? Cette soirée, c'est la cata chez Cata. Qu'est-ce que tu racontes? T'as quand même réussi à filer rancard à Julie Pascal vendredi soir, non? J'ai pas filé rancard à Julie Pascal. Ah ouais. J'ai proposé de sortir avec moi, elle m'a demandé si c'était un pari entre toi et moi. J'ai dit oui. Tu m'étonnes qu'elle t'a acheté. Tu l'as pas vraiment demandé en fait. Si j'avais demandé, elle aurait dit non, donc... Qu'est-ce que t'en sais? Tu as bien vu avec Eric, non? Ouais, c'est vrai. Quand tu m'as dit la vérité, je devrais peut-être te la dire aussi. C'est-à-dire? Bah, Julie Pascal, elle a pas vraiment dit à Yann Coquart qu'elle te trouvait drôle. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Bah rien du tout. Pourquoi tu m'as dit ça? Mais je sais pas moi. T'arrêtais pas de me parler d'elle, alors je me suis dit que ça te donnerait du courage. Puis de toute façon, on s'en fout. T'es pas énervé pour ça, dis.
Les enculés. Mais relax, putain, c'était une blague. Ça me fait pas rire. Ah ben, va te faire fou. Mais regarde les petits secondes qui se battent. Minable, avec un grand M. Trop con, sérieux. Pas contre toi, je suis vénère. Ce connard d'Eric. Je veux qu'on y retourne. Thomas, ça vient à rien. C'est sa moto là-bas. Pour conduire dans un état d'ivresse. Je suis pas bourré. Hein. C'est l'avantage du gerbère, on peut le rendre dans le sang. Excuse-moi de t'avoir menti pour Julie Pascal. Oh, t'inquiète. Je pourrais dire à mes petits enfants que j'ai demandé la plus belle musique du bail de sa taille. Presque demandé, tu veux dire. C'est complètement ridicule. Viens, ils sont là. Putain, c'est Eric. T'es prêt ? Prêt. Tu vas pas nous refaire le coup de nous balancer sur le trottoir comme l'autre fois ? Non. Mais toi peut-être ? Très drôle. C'est ce que je dis parce qu'elle a dit à Yann Coquard. Que je suis un mec drôle. Bon, on y va. Vas-y. Allez, c'est parti. Let's go for a ride!